machins vont pas sonner, les drones, les machins. À boire, pardon. À boire. Oui, non, parce que sinon on va m'accuser d'avoir fait un partenariat avec Cristaline alors que c'est faux. Hein. Donc voilà, arrêtez vos conneries, c'est tout quoi. Bonjour à tous, c'est Rémi, dimanche 18h pour vous en tout cas, et pour moi on est le lundi 6 septembre. Je me casse en fait dans le Jura parce que j'ai des vacances avec mon boulot. Et donc voilà, je fais une petite intro courte parce qu'après je vais rouler. Là je vais m'en aller, j'ai un point de ralliement avec un pote, puisque j'y vais pas tout seul. J'ai un point de ralliement avec un pote, donc on va se croiser là-bas et puis ensuite on est parti. J'ai, je sais pas combien, plus de 600 km à faire. Et bien sûr, bah, je vais les caler avec la Mégane. Alors donc, petit résumé rapido, ça va partir du trajet G, si on prend ce trajet-là en tout cas. 669 km de route à faire via l'autoroute A26 avec 6h05 de route. Il faut compter une bonne heure en plus parce qu'on va s'arrêter à midi pour bouffer. Et vous voyez, il y a à peine moins, mais à peine plus de temps de trajet en dessous et toujours le même prix de péage. Donc il faut compter ça deux fois pour l'aller et pour le retour. Ça fait déjà disons 1340 km aller-retour cette histoire, plus les trajets que je vais faire là-bas, toujours avec la caisse. Hein. Je garde ma caisse tout le long du séjour en espérant qu'elle me lâche pas. Et ça fait du coup grosso merdo 2000 voire plus 2000 km, ça va être beau, donc ça va aller, t'en fais pas. Non, j'ai confiance, moi c'est pas comme Seb où j'ai claqué les 4 injecteurs de la bagnole, hein, et j'en ai eu pour 1740 € d'injecteurs, hein. Salus. Et puis voilà, c'est le vlog du mois de septembre 2021. Et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les niveaux sont checkés, tout est bon, il n'y a plus qu'à démarrer la bagnole et partir. C'est incroyable. Et ça, c'est un de mes rêves de gosse. Je rêvais depuis très longtemps de moi-même faire un putain de trajet en bagnole, aller-retour, pour aller en vacances. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, j'ai 2 semaines de vacances par rapport à mon taf. Donc, du coup, j'ai de quoi faire. J'ai dû coller, regardez là-bas. Hop là, dans le coin du pare-brise, je vous fais un petit zoom des familles. Hein. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est une vignette pour les autoroutes suisses. Alors en fait, là où je vais, la Suisse est pas très loin. Donc pour pas être emmerdé et pas me faire arrêter, t'es obligé de mettre une vignette comme ça. Là, c'est une vignette 2021, valable jusqu'au 30 janvier 2022. Et en fait, si t'as pas ça, que tu te fais arrêter en Suisse, surtout sur les autoroutes du coup, t'es mal. Je le dis, les Suisses sont hyper... Et en plus, ils aiment pas les Français. Enfin... Ils aiment pas les Français. Ils ne les apprécient pas beaucoup. De ce que la légende raconte. Ce que je vois, toi, là, qui est suisse, qui va arriver dans les commentaires. Ah oui, mais non, mais les Français, c'est pas bien ce que tu dis. La légende raconte que les Suisses n'apprécient pas beaucoup les Français. Donc en plus de ça, tu vois, puis si j'avais pas la vignette autoroute, moi, je serais mort, tu vois. Plus de permis, une amende à 1 million, laisse tomber. Je suis mort. Donc, ça va être aussi l'occasion, du coup, de voir comment la Mégane va se comporter pendant tout ce trajet. Et puis, on va en voir du paysage, parce que là-bas, on va faire des petites sorties, ça va être bon. Donc voilà, vous avez le résumé du début du voyage là, donc c'est parti, rendez-vous sur la route. This video was sponsored by Cristaline and Macuacuum gel man disinfectant antibacterial sans winsage. Let's go. Allez, du coup, hein, en partenariat avec Airbag. Ça, c'est en cas d'accident, tu vois, on meurt comme des hommes, tu vois, c'est incroyable ça. Péage, on va saler, hein. Par contre ça, ça c'est sûr, hein. Ça le péage, on va casquer, mais de ouf, hein. La carte bleue, elle va fumer, elle va voir le montant du péage, elle va... Non, la banque, elle va m'appeler, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème avec le péage? Non, madame, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on date du 6 septembre, je fais bien 600 km sur autoroute, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, dévisez. Allez, on s'est arrêté une petite heure pour bouffer et là du coup on est reparti, on est à hauteur de c'est l'air du mont de Nizi, pour ceux qui connaissent, hein. Voilà, on s'est arrêté là donc pour bouffer, donc là on est reparti direction l'autoroute, hein. Et voilà, la magnifique route départementale, et il nous reste
462 km et 4h17. Donc bah c'est parti, hein. Allez, hein, on y va, hein. Je ceinture, hein, bien sûr. Bien, petit point de parcours, on est à, justement à mi-parcours, il est 14h23. Point de parcours par rapport à la bagnole, à la Mégane. Bah, écoute, elle se comporte bien. Il n'y a rien d'autre à dire en fait, juste elle roule. On a déjà fait 300 km, la moitié du chemin, là, 330-340 km. Mais pour l'instant, tout se passe super bien pour la bagnole. Il n'y a absolument rien à dire, juste elle roule en fait. Elle fait son boulot de bagnole, elle t'emmène d'un point A à un point B, en tout cas pour l'instant. J'ai absolument rien à dire. Alors à 14h24, on est où? On est en direction de Mulhouse, et donc il nous reste actuellement 3h14 de trajet. Et 333 km précisément. Du coup en direction des Rousses d'Angerat. Voilà, c'est là où je vais. Je l'avais pas encore dit, et on est entouré d'éoliennes, c'est incroyable. Il n'y a que des éoliennes depuis tout à l'heure, c'est bon. Il reste une heure de route avant d'arriver à la destination et là ça commence à être beau. Alors voilà, ça y est, on est arrivé, je suis bien installé, on est donc aux Rousses. Alors là, bon, on a fait quand même quelque chose, quelques petites choses là d'ici là, à la fin de la journée, parce que là actuellement il est du coup, il va être 22h, dans quelques minutes, il va bientôt être 22h, il est 21h54. On est arrivé ici en fait à 18h, il débrouille 18h25, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, je vous fais une rapide visite. Alors c'est très simple, hein, c'est quelque chose de, voilà, là le sas d'entrée, hein, vous voyez, avec une porte. Ici il y a un débat, ici c'est les chiottes, la salle de bain, et ça donne ici, il y a un canapé avec un lit en dessous, enfin, c'est un canapé lit en fait, une petite table avec trois chaises, mon bordel, une fenêtre là et là, donc là forcément tout est fermé, une petite télé au fond, des petits meubles en bois, un petit micro, une cafetière, enfin voilà, comme je le disais, c'est des choses très simples, mais disons pour moi, pour mon séjour, ça va suffire en fait, je peux vivre en fait là-dedans, donc pas de soucis. Alors c'est dans le noir, incroyable, on va allumer, hein. Là, ce que je dirais, la cuisine, avec un petit frigo, un évier, un rangement ici, une plaque de cuisson, une petite tablette et d'autres rangements. Voilà, ici derrière la porte, bon, il n'y a rien du tout. C'est la porte ici qui est ouverte. D'ailleurs, ce qui peut être utile si je veux, c'est de la fermer en fait. Donc, et ben, c'est parti pour ce petit séjour à la montagne en plein été, enfin à la fin de l'été théoriquement. Et puis voilà quoi, ça va être cool. Là, je me pose. Je sais pas si c'est l'air de la montagne ou quoi, mais je suis HS, je ne réponds plus de rien. Donc voilà, sur ce, pour terminer cette petite journée du lundi 6 septembre, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Enfin, vous regardez pas ça la nuit, mais si vous regardez ça la nuit, ça dépend. Et moi, je vous dis du coup une bonne nuit pour cette journée du lundi 6 septembre. Et à demain, mardi 7, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ah si, alors, si, demain à 18h, le fait de la journée, c'est que je vais aller faire un test antigénique. Donc je vais faire un test antigénique, et normalement, je dois ressortir avec les résultats, si tout va bien. Contrairement au PCR, où tu es obligé d'attendre 24 heures pour avoir les résultats, 24 à 48 heures. Donc, eh ben, on verra bien aussi ça. On va bien voir. Et bisous, bonne nuit, à demain, au revoir. Même on a de la chance, il fait un magnifique soleil. C'est quand t'as une vue comme ça en fait, avec de l'herbe là, tu vois là-bas au fond, c'est les hauteurs quoi, c'est la forêt. Ouais, y a rien quoi quasiment, c'est les autres résidences là-bas au fond, de vacances. Là, la vieille route là qui passe devant et c'est tout, quoi. Petit chemin de terre, rien quoi. Jour 2, il est 9h23, quelque chose comme ça. Je suis réveillé depuis, je t'avouerai, un quart d'heure. Ça pique un peu, comme tous les matins. Il faut encore que je prenne mon petit déj et ensuite on repart vadrouiller. Donc il faut encore que je prenne mon petit déj et que je débarrasse aussi le bordel. Voilà. Bon, ça on va s'en accommoder, ça ira très bien. Allez, c'est parti, jour 2.
Alors, ce qui est bien, c'est que là-bas, il y a une table de ping-pong, il y a un babi. Donc j'ai perdu aux deux, bien évidemment. Enfin, perdu, si tant est qu'on avait compté les points, hein, bien évidemment. Et là, on vient de voir, il y a juste un puissance 4, mais en bois. Et carrément, quoi. Puissance 4 en bois, wesh. Et j'ai dit, mais où on s'arrête, en fait? C'est génial, ici. Moi, je vais passer ma vie, là, c'est pas possible. Donc bah là, on va aller se perdre aussi sur un puissance 4. Bon, alors là, on va aller se balader un petit peu. On va sortir avec la caisse. J'ai une place de parking et tout par rapport à l'appart. Ah, j'aime bien les petits parkings souterrains. Ça a quand même un certain charme, évidemment. Hein. Donc, bon, quand même, on en profite. Putain, vache sa mère. Oups. Ça fait du bruit quand même. Bon alors, là on s'est arrêté parce qu'il y a une vue. Il y a une vue. Et... Oh putain. Ça c'est unique hein, par contre. Hein. Petit camion Coca-Cola là, on est travaillé chez Coca. Hein. Là, tu vois, en plus on est arrêté dans ce genre de virage. Regarde, ça me fait penser tu sais, aux vidéos de JMK. Quand il va à la Turbie, pas loin de Monaco, tu sais, des espèces de virages comme ça, mais complètement à 90, là, tu sais, tac, le mec avec une Porsche, qu'est-ce qu'il doit se marrer ici? Oh, incroyable. Là, la vue, c'est fou, hein, quand même. Bon, là, il y a un peu de fougère et tout, mais voilà, c'est très beau, quand même. Et puis alors, bon, bah, je te laisse deviner le dénivelé, ici, hein. Là, si je vous jette là-dedans, on vous retrouve pas. Quand il y a un petit chemin, ça, c'est... Ouais, non, c'est le chemin de la mort, ici. À mon avis, tu vas là-dedans, tu croises la mort en direct, hein. Service des forêts. Ville l'Oignon. Ok. Donc en fait là ça c'est le. Bah, c'est le lac Léman en fait. C'est tout simplement le lac Léman. Hein. Si je ne dis pas de conneries, si ma géographie est bonne. Hein. Donc ça en fait on est actuellement nous on est côté suisse là, c'est ça? Et donc de l'autre côté là-bas c'est le côté français, non? Côté du lac, non, on voit même pas d'ici. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Et alors ce que tu me disais c'est que là bon il y a du brouillard, mais sinon quand c'est vraiment dégagé, on arrive à voir le Mont Blanc. Ouais, le pic du Mont Blanc, ouais, on peut le voir. Putain. Bon ben, je vais déménager. Hein. Au revoir Béthune, au revoir le boulot. Je me casse, je vais habiter ici. Je vais habiter là-bas. Là, avec mon gros doigt de merde. Là-bas. Ouh, ça fait un petit plaisir en 208. Et vous voyez, là, si on voit la route, effectivement, bah, c'est que des routes comme ça, en fait. Là, depuis là en haut, depuis la frontière suisse, et c'est que des routes comme ça, en fait, qui passent. C'est incroyable. Bon, allez, je vais peut-être arrêter de filmer quand même, parce que les gens sont en train de me prendre pour une moitié d'abruti, je pense. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, nouvelle étape de ce jour 2, le Fort des Rousses. Oh, regardez le lac Léman, c'est faux. J'arrête pas de faire cette blague à chaque fois qu'on croise un fossé, c'est nul. Salut mon pote. On s'appelle, on se fait une bouffe, hein, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Zone militaire, interdiction de pénétrer sans autorisation. Ah bon? Oh bah je savais pas. C'est génial, on risque de se faire tirer une grenade dans pleine tête à chaque endroit qui passe. C'est génial ça, moi je veux bien y aller. J'aime bien les mitraillettes. J'aime bien l'Allemagne de l'Est, pardon. C'est la montagne, c'est que des routes comme as, frère. Hop, un coup à droite, tu as un coup à droite, un coup à gauche. C'est incroyable. Regarde un peu les virages. Hop. Je te prends ça à 70, moi, qu'est-ce qui va pas? Hop là. Et là en haut, en fait, là-bas en haut, là, où il y a une espèce de coupe blanche, et ben c'est le panorama, le panoramique de la Dole. Enfin, c'est le pic de la Dole. Bon, là, du coup, on n'a pas été aujourd'hui. On ira demain, je pense, au jour 3 de mon séjour.
Putain, c'est magnifique ces paysages de montagne. Cycliste, cycliste. Un téléphérique. Putain, c'est la première fois que je vois de la ville. Incroyable. Si t'as intérêt à utiliser ton frein moteur, c'est moi qui te le dis, hein, parce que là, les freins, si tu fais pas gaffe, c'est fini. Hein. Enfin, putain, mais regardez-moi cette beauté de paysage, quoi. Putain, c'est magnifique, bordel. Regarde-moi le vierge en épingle ici. Un mec en Porsche ici se fait un de ses plaisirs, mon frère. Incroyable. On voit le paysage là? Non, on voit pas. Ok, fin de cette deuxième journée de ce jour 2 de ce vlog. On a bien rigolé, c'était super cool. Les paysages montagneux sont incroyables. Demain, on continue avec la montagne et on doit aller, c'est l'activité du jour, on doit aller au panoramique de la Dole. Ou à la Dole, quoi, voilà. Donc, on aura 45 minutes de voiture, 45-50 minutes de voiture pour arriver là-bas. Et plus, 1h30 de marche pour arriver tout en haut. Ça va être sportif, hein. On va prendre quand même une bouteille d'eau, là, je t'avouerai. Puis, bah, pareil, je vous ferai des petits rushs. Demain, hein, voilà. Là pour l'instant, 21h21 maintenant. Ben, je rentre, je vais me coucher et puis on part très tôt demain matin pour éviter de se prendre tout le soleil dans la gueule. Les petites astuces de montagnard, c'est partir très tôt pour éviter de se prendre tout le cagnard dans la tronche. Et comme ça, tu peux tout faire comme t'as envie, quoi. Si tout va bien, on devrait être revenu pour l'apéro. Et bien, sur ce, transition noire, transition et à demain. Bisous. Ça y est, on est arrivé, on a fait toute la route, on s'est arrêté ici, donc on a caché la voiture ici, et en fait bah, c'est pareil, hein, c'est les routes de montagne, donc on a tout monté jusqu'ici, là-bas au bout de la route, il y a une barrière, donc on doit continuer à pied, ce qu'on va faire, et on a encore, normalement, si tout va bien, c'est une bonne heure et demie de marche pour arriver, enfin à peu près quoi, pour arriver au panoramique, enfin à la Dole quoi, tout en haut, hein, voilà, avec vue extraordinaire, voilà. Jamy, on va où? On va à la Dole ou à la Dole? Ah bah dis donc, moi je sais pas où il faut aller, Jamy. Puis en plus, il faut protéger la faune. Ah bah Jamy, je suis perdu, hein. Je suis perdu, moi, Jamy. Il faut m'aider. dis donc, Jamy, ça monte ici, hein. Ça monte beaucoup, là. Dis voir, tu peux pas nous faire un cours sur les montagnes? Jamy, allô? T'as perdu le Dafalgan, Jamy? C'est combien de Dafalgan le cours sur la montagne? Parce que on en a encore beaucoup quand même. Et non, Jamy. Non, allez, je vais arrêter avec ça. Et là, bon. Ça essouffle bien, on n'est pas encore arrivé. Presque. Enfin, presque, j'ose espérer. On est à mi-chemin. Et là, il y a un enclos. Et là-bas, il y a des chamois. Ou en tout cas, des petites bébêtes bien sympathiques. Hop là. Ça, là. Des vaches. Non, je déconne. Ah bah oui, vous avez cru, attends. Là, vous parlez à un gars de la campagne. Elles ont leur enclos, là, juste là. Donc, elles sont tranquilles. Et petit point techno, rapidos, avant de continuer, parce que moi, on n'a pas non plus que ça à foutre. Hein. Là, donc, vous voyez, hein, où est-ce qu'on est? On est entouré de toit, vous voyez, voilà. Hein. C'est juste, voilà, vous voyez. Bon, très bien, de la verdure, de l'herbe et tout. Hein. Bon, de la caillasse, du machin, là, un truc, un observatoire à mon cul. Bon, juste,
Regardez ça. Alors tout à l'heure, plus bas, on avait plus que ça, on était à fond hein, sur la 4G. J'en appelle à Orange France. Et que Orange France, hein, la Suisse, l'enfoiré. Bah, j'en appelle à Orange France, faites comme eux. Il y a juste une antenne là-bas. Alors certes, ça couvrira peut-être pas bien le bas, mais quand tu veux habiter dans la montagne, bah du coup, t'es tranquille. Bah dis donc, Jamy, avec de la 4G pareil, je vais pouvoir streamer en 4K. Pas Full HD, si c'est de la Full HD, c'est pas de la 4K, de la 4K, c'est pas de la Full HD. Putain, bon, vas-y, on va continuer, hein. Et dis donc, Jacqueline. Putain, y'a un peu de vent, là. Dis donc, Jacqueline, qu'est-ce que tu fous, là? Ah, bah, merde. Ah, bah, c'est con. On est toujours pas arrivé. Mais ça va, hein. Ça va, je tiens le choc, hein. C'est... Vraiment, c'est... Bon, bah, on est arrivé. Là, il faut savoir, je suis officiellement à l'altitude la plus haute de toute ma vie. Parce que avant, c'était le col. Comment il s'appelle ce pont là? Le col du Sud-Bord. À 1457 mètres, je crois. Et là, donc, on est au panorama de la Dole à 1671 mètres d'altitude. Alors, on est censé voir en fait tout ce qui est Mont Blanc, etc. Là, comme on voit ici sur cette fresque. Là, sauf que là, il y a un petit peu du brouillard en fait. Donc, et puis, bah, il y a du. Est-ce qu'on a forcément le droit d'être là, puisque il y a du travail, ce qui est normal hein, pour l'entretien. Voilà. Et ça va, on a tout fait à pied, tout va bien. Mais bon, je t'avoue qu'après, pour redescendre, ça va être une autre histoire. Et là, du coup, bah, c'est le côté France. Tout à l'heure, c'était le côté Suisse, et là, c'est le côté France. De l'autre côté. Ah, il y a du vent, hein. Bon, c'était une très belle ascension, je l'ai très bien vécu par un Seb qui apparemment est venu aussi à cet endroit là et a juste morflé sa mère à part. C'est vrai que c'est pas, tu vois, t'es pas chez mémé, mais c'est franchement une ascension pareille pour voir ça, tu l'as fait, tu dis pas non quoi. Et là c'est, enfin le panoramique est incroyable. Voilà, là on a un peu moins de vent, donc là c'est le côté France. Et donc c'est un tout petit peu moins spectaculaire puisqu'il n'y a pas de lac, il y a pas de... Enfin, après ça devient plus plat, mais ça reste quand même hyper... Bah, c'est la montagne quoi, hein. Hyper agréable. Avec l'ombre des deux couillons que nous sommes. Voilà quoi. Hein. Ici. Et donc j'ai la confirmation, Jamy, on ne marche pas encore plus vite que notre ombre. Donc c'est nul. Et aussi pareil par là. Si on regarde très exactement, ok, j'ai. Va-t-on le voir la caméra? Si. Vous voyez là les belles petites grues? Bon, ces grues là, et ben ça c'est le Fort des Rousses. C'est-à-dire que là, moi actuellement pour mon lieu de vacances, et ben on est par là en fait. Hein, on est voilà, on est par ici à peu près quoi, hein, à la louche. Donc c'est incroyable. J'étais presque en bout de zoom. Au secours. Il faut raccrocher, hein. Allô? Vous avez reçu les photos pour le Facebook? Parce qu'il faut raccrocher maintenant, hein. Il est l'heure, allô? La connexion marche pas, hein? Bon, la Dole, c'était bien pour la montée, ça a été, mais maintenant faut descendre. Et alors, quand t'as des machins comme ça, là, avec des pierres très glissantes, surtout si t'es comme moi en Vans, non. Voilà, c'était la mauvaise idée du moment, c'est ne pas prévoir de meilleures godasses que ça pour faire ça. Mais bon, hein, on ralentit, hein, et puis on y va doucement. Là, il est. Voilà, il est pratiquement 10h, donc on va pouvoir écouter de la musique du coup. Ah, donc on descend juste, on essaie de pas se tromper de côté, parce qu'il y a un côté apparemment où c'est pour aller en Suisse et l'autre côté en France. Et vu qu'on est arrivé côté Suisse, donc il faut quand même qu'on puisse retourner à la bagnole. Vous voyez, donc.
Alors là, bon, du coup, on est retourné au Fort des Rousses et on est passé au, entre guillemets, à l'intérieur. Il y a des trucs un peu chou. Hein. Voilà, c'est le poulailler. Voilà. Il y a un passage par là. C'est un passage pour piétons, alors qu'il y avait un joli panneau à l'entrée. Mais ça, on va pas le dire. Et là, du coup, on a présence juste, en fait, du coup, bah, d'un arbre, hein, totalement. Hein. Juste, c'est totalement un arbre qui passe comme ça. Hein, voilà. Et là, de ma hauteur, je ne passe pas, faut que je me baisse. Hein. Et vous comprenez un peu le schéma. Tiens, on a tenté de nous empêcher de passer, mais non. Il voilà. Y a un gars qui disait, ouais, vous ne passerez pas, je sais pas quoi qu'il disait là. Mais dis donc, Jamy. On est sûr que ça passe pas. Bah, bien sûr que si ça passe. Je comprends rien du tout. Je comprends pas ce qu'ils disent ces gens-là, franchement. Hein. Bon alors, là on est juste en train de se faire, tu peux même pas appeler ça un urbex, c'est le fort des Rousses, mais on passe un peu dans les chemins, c'est pas très autorisé. Oh regardez, j'ai monté une nouvelle porte d'entrée. Ouais, on fait demi-tour. Hein. Le mec qui a rien compris, y a pas de porte. Bon bah là, la cuisine, hein, le salon par là avec la télé, hein. La télé à PS5, évidemment. Ça c'est insensé, ça c'est bien la montagne, hein. Hein, on descend tout et puis maintenant c'est pour quoi faire pour remonter. Alors, franchement, ils n'auraient pas pu tout égaliser. Ah merde alors. Et par contre, on se croit en Côte d'Azur. Non, bon, bah, très bien alors. Tant pis, allez, salut. Alors avant de terminer aussi la journée, petit passage par alors Moretz, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a une lunetterie là-bas au fond, ici ce bâtiment-là. Et en fait là on est à un point, je dirais, pour faire, tu sais, un peu de parcours extrême, enfin voilà, un peu d'escalade, tout ça, etc. Avec un passage juste là ici, là au-dessus du vide, il y a même une tyrolienne en dessous qu'on voit pas forcément. Et bah juste les pans de pierre quoi ici, comme ça quoi, hein, normal, pour bah faire la montée, voilà, et ça continue après les arbres, donc là accroché avec un mousqueton, une corde, tout le bazar, hein, voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux là-dedans. Alors si vous voulez, si vous n'êtes jamais venu, même si vous habitez dans le Jura, bah c'est à Moret, voilà, merci, il me souffle à l'oreille Moret. Désolé, je dis Moret depuis le début, c'est incroyable, hein. Donc voilà, vous pouvez venir là, il y a l'air d'avoir un passage là-bas et tout pour monter, enfin bref. Et donc en fait ça, tout ça, ça s'appelle en fait de la Via Ferrata, voilà, pour ceux qui demandent, voilà. Il y a tout là, il y a le passage là, machin. Allez, je vais m'inscrire, je vais en faire, hein. Non, coupez, j'en fais pas. Après ça fout quand même un peu les jetons, hein. Attention, tyrolienne, poulie longue courte, cheveux attachés obligatoires, grand conseiller, hein. Yes, no, machin, là, les trucs. Oula, c'est risqué tout ça, cours initial, retour 30 minutes, assez difficile. Oula, bien faire atteindre la roche aux dades, itinéraire ludique, ouais, je préfère celui-là. Assez difficile, oula, et c'est quoi le parcours là, c'est ça? Oula. C'est comme l'oiseau là, l'oiseau avec des grosses boules, et quand il s'assoit du coup, il y a ces boules qui posent par terre, c'est oula. Tu connais celui-là, l'oiseau, le oula, il s'appelle, gamme d'oiseau, bien sympathique. Et voilà, fin du troisième jour de mon séjour ici au Rousse, dans le Jura. It's a great day for France, you know, for Jura, and it's beautiful. That's a beautiful region, you know. Now, it's time to sleep. Rendez-vous demain!